Hello les fanboys, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vlog où cette fois-ci je vais vous emmener à la Paris Games Week. Alors c'était un moment un petit peu particulier pour moi parce que vous le savez, je suis pas un fin connaisseur du monde du gaming. Et puis particulier aussi parce que surtout j'ai eu un privilège qui était extrêmement rare, qui m'est accordé, c'est celui de pouvoir rentrer dans la Paris Games Week une heure avant l'ouverture au grand public. Ça n'a jamais été accordé à aucun autre youtubeur, journaliste, blogueur, puisque en général ils ont une soirée presse qui leur est dédiée. En l'occurrence cette année c'était mercredi dernier, mais c'était 10 000, donc forcément les images qu'ils ont pu faire à cette occasion n'ont rien à voir avec celles que vous allez découvrir là tout de suite dans quelques secondes. Vous allez vraiment voir ce que sont, à quoi ressemblent les stands, pardon, lorsque il n'y a pas les visiteurs, lorsqu'il n'y a pas le grand public qui est là, et ça permet de voir un petit peu mieux les coulisses donc de la Paris Games Week. Alors malheureusement, comme je vous le dis, tout ça s'est décidé vraiment à la dernière minute. Ça aurait mérité une plus grosse préparation, et ça aurait été intéressant éventuellement que Julien soit avec moi pour pouvoir commenter, vu que c'est lui notre spécialiste gaming à l'école des fanboys. Malheureusement, il n'était pas là. Donc moi j'ai fait ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire des clips musicaux. Donc c'est sous forme de clips un petit peu que vous allez découvrir ces coulisses de la Paris Games Week comme vous ne l'avez jamais vu. Et puis moi je vous retrouve dans un tout petit instant. Coucou les fanboys, donc bienvenue à la Paris Games Week. Là on est à peu près à une heure du début de la Paris Games Week, de l'ouverture des portes. Et voyez, ils sont déjà extrêmement nombreux à attendre ici. Il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui vont venir se presser aujourd'hui dans ce qui est devenu le plus gros salon du jeu vidéo en France. Et nous on va vous raconter tout ça à travers un vlog. J'attends mes camarades Mathieu et Seb qui vont pas tarder à me rejoindre. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, c'est le calme avant la tempête. Pour l'instant, le salon n'est pas encore ouvert. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer un petit peu avant tout le monde. Donc voilà à quoi ça ressemble un salon avant la grosse affluence. Donc vous voyez, là pour l'instant, c'est vraiment très très calme. Mais dans quelques minutes, ici, ça va être de la grosse folie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 100 000 personnes qui sont attendues aujourd'hui. J'espère que ces images vous ont plu. Vous allez découvrir maintenant, parce que j'ai pu le filmer évidemment, le moment où justement le grand public rentre dans le parc des expositions pour la Paris Games Week. Vous allez voir qu'en l'espace de quelques secondes, c'est un afflux massif de centaines et centaines de personnes qui débarquent dans le hall du parc des expositions de la porte de Versailles. Et au final, vous allez voir très vite que ce que j'ai filmé avant n'a plus rien à voir quelques minutes après. C'est assez impressionnant de voir, quand on a la chance de vivre comme moi j'ai pu le faire, de voir la transformation de ce lieu en l'espace de quelques minutes. Vous êtes au même endroit et pourtant ça n'a plus rien à voir.
Alors ensuite, mes camarades Mathieu et Sébastien sont venus me rejoindre. On avait rendez-vous en fait avec un jeune homme qui s'appelle AKM, qui est un champion de e-sport, qui appartient à la team Rogue. Ceux qui sont pratiquants du Overwatch le connaissent forcément, puisque AKM est quelqu'un qui a remporté avec son équipe 4 des 5 derniers tournois auxquels il a participé et qui enfin, voilà, est en train de se faire connaître mondialement. C'était très intéressant de le rencontrer. Malheureusement, malgré qu'on essayait de s'isoler pour trouver un environnement plus calme, il y avait quand même trop de bruit, et donc ce qu'on a filmé, voilà, au niveau audio, c'est vraiment le rendu est trop moyen. Même si Juju m'avait dit qu'éventuellement il pourrait améliorer ça au montage, je pense que c'est mieux dans la mesure où on a eu un bon feeling avec AKM et qu'on a gardé le contact avec lui, éventuellement de reprogrammer à un autre moment et surtout dans un endroit plus calme, une autre interview, parce qu'on a vraiment envie de vous faire découvrir ce petit bonhomme, c'est assez impressionnant. Mais du coup, comme on était sur place, on a aussi continué à faire d'autres images de la Paris Games Week, et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Voilà, j'espère que ces petits clips musicaux tournés à la Paris Games Week vous plaisent. Ça permet de découvrir le salon d'une manière originale, à la fois en images et en musique. Et d'ailleurs, il reste encore un dernier petit clip dans un instant. Mais avant ça, je tenais à vous donner rendez-vous d'ores et déjà pour le 21e épisode de l'École des Fanboys, qu'on va tourner dans quelques jours. Et comme chaque année, au mois de novembre, ce sera un épisode consacré à nos coups de cœur high-tech de Noël. Et on sera d'ailleurs accompagné d'un YouTuber high-tech, justement, le dernier qu'on n'avait pas encore reçu parmi les 10 qui ont le plus d'abonnés en France. Et on sera très content de l'avoir avec nous. Mais en attendant, on retourne du côté de la Paris Games Week où vous allez voir, il y avait aussi justement des youtubeurs mais aussi des jolies filles. Allez, à très bientôt, bye bye! I could guard in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go.